Allez, bonjour à tous, bonjour, bonjour et bon week-end. Je viens juste d'arriver, j'ai aidé mon ami Frédéric à déménager. J'ai porté des meubles, pour mon ami Frédéric et ça continue demain parce qu'il a beaucoup de meubles. Allez, on attaque, je vais dire bonjour aux personnes qui sont là. Avant ça, bien sûr, j'avais posté une petite chanson. Hier, je vous avais proposé une chanson de Vianney, qui est un petit peu triste, mais sympathique à la fin. Et aujourd'hui, comme apparemment, vous ne connaissez pas Vianney, qui est, à mon avis, un artiste intéressant, je vous propose une chanson avec Choice Jonathan et Vianney qui s'appelle « Les filles d'aujourd'hui ». Donc si vous regardez, c'est là, en tout cas, ou là, ça dépend, c'est tout en haut du chat, j'ai mis le lien. Vous pouvez l'écouter, puis après, peut-être que vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Alors, Yossi est là, bonjour. Luciana Moribé est là, bonjour. Vouslat, vous êtes là, très bien. Stardust est là aussi, avec un doigt. Almour est avec nous, Victoria Possé est là. Hector est avec nous, Self Education Methodology, waouh, très bien. Cosmina est avec nous aussi, Vouslat est là. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, Georges est là aussi, Victoria Jacques est là aussi. Omar est avec nous, Taney est là, Bourneville Lover, coucou, Melissa Madrid, Mary Jane est là, John Emmanuel, bonjour, Amina Amona, bonjour, avec beaucoup de R, c'est pas mal, Tania est avec nous, Bickert, bonjour, bonjour, Sugoi est là, Roman, Yulia, la famille de Noël est revenue, et ouais, elle est là, et j'ai élargi un petit peu, bonjour à tous, nous dit Cherylyn, et à l'ordinateur de Vincent. Alors Cherylyn, en fait, pour expliquer rapidement, pour faire le cours, en fait, j'utilise simultanément trois ordinateurs. Il y a un ordinateur pour eh bien, le PowerPoint, un ordinateur pour toute la partie chat, etc. et un ordinateur pour eh bien, envoyer le flux. Et hier, mystérieusement, deux ordinateurs ont décidé de faire la grève. C'est bizarre, mais c'est comme ça. J'espère que ça va marcher. J'ai essayé de rafraîchir tous les systèmes. Normalement, c'est bon. Très bien. Yulia qui demande, est-ce que ce sont des flûtes dans les boîtes? Oui, ce sont des flûtes de liquide rouge. Shuzand est avec nous, Mary Jane. Bonjour Mary Jane, participez, Telesta. Et Shushan est avec nous, Walid. Allez, on y va et on commence. Et tout de suite, si vous voulez. N'oubliez pas, comme le penseur de Rodin, n'oubliez pas de cliquer sur like, puisque le penseur de Rodin pensait et après il a décidé de cliquer sur like. Oui, Cherylyn, c'est juste pour expliquer cette histoire d'ordinateur que c'est normal si parfois j'appuie sur les mauvais boutons. C'est trop pour moi, c'est trop pour un seul homme, ça n'est pas raisonnable du tout.
Alors souvenez-vous, hein, à vos téléphones, c'était spécialement pour Victoria Jacques, parce qu'elle voulait prendre une photo du canard à l'orange, du cassoulet. Donc si vous voulez partager des photos, pour l'instant, je n'ai pas reçu de photos, j'ai reçu quelques messages, c'est très très gentil. Ah, très bien, peut-être que je vais recevoir. Vous pouvez partager un moment important ou tout simplement faire une belle photo avec un petit commentaire et hop, je vais les mettre dans le cours suivant. Et ça pourrait être assez sympathique. C'est la semaine des lunettes rouges et c'est également la semaine du vin rouge, Julia. Alors, le jeu des citations. Le jeu des citations, eh bien, c'est un nouveau jeu. Nouvel exercice. Un exercice assez facile sur le principe, hein. Et on va s'amuser, à mon avis, parce qu'on va trouver probablement des choses assez intéressantes. Regardez, le jeu des citations, nous aurons 5 citations. D'accord ? Des citations de personnes totalement différentes, certaines françaises, mais pas uniquement. Et la première personne, eh bien, ça n'est pas une personne française. C'est Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin a dit « Une journée sans bip est une journée perdue ». Imaginez quel est le bip, imaginez quel est le mot qui manque. Et nous allons voir si vous avez trouvé. Et c'est pas grave si vous ne trouvez pas, bien sûr. L'idée, c'est de s'amuser. Alors, c'est Cosmina qui commence et qui dit une journée sans bouffe est une journée perdue. Désolé, non, Luciana qui nous dit sourire. Yossi qui dit souris. Alors, idéalement, hein, on va voir. Est-ce que souris, Yossi, est-ce que c'est l'animal? Parce que faites attention, si c'est l'animal, je dis d'accord. Si c'est sourire, dans ce cas-là, le substantif ou le verbe, c'est la même orthographe. Mélissa qui nous dit sourire. Vouslat qui nous dit rire. Yulia qui nous dit café. C'est vrai qu'on pourrait imaginer tout ça. C'est tout à fait correct. Aîné qui dit sans vous. Oh, c'est formidable. Georges qui nous dit rire. Almour qui est quelqu'un de très romantique. Qui nous dit « Une journée sans amour est une journée perdue ». Stardust nous dit « Rire ». Andrea nous dit « Rire aussi ». Cherylyn, « Rire ». Bickert, c'est pas mal. « Une journée sans prendre le déjeuner est une journée perdue ». Victoria Possé, « Joie ». Omar, « Humeur », ça c'est pas mal. Sugoi qui nous dit « Café aussi ». Monique, « Sourire ». Alors attendez, Shushan qui nous dit « Bonheur », ça c'est pas mal aussi. Mercurial, « Rire ». Sonic, « Humeur ». Amina, Mona, « Sourire ». Effectivement, hein, vous aviez globalement Victoria Jacques en bonne nourriture. Alors, Forest. So Forest, si vous êtes un débutant, lundi, le cours est en anglais. Hein. Le lundi et le jeudi, les cours sont en anglais. So Forest, if you're a beginner, remember that on Monday, it will be for the beginners and on Thursday too. D'accord? So at the same time, but it will be in English in that case. So maybe it might be more easy for you. You decide, but you can stick here. You are more than welcome. Alors, regardez. Et Victoria qui disait une journée sans bonne nourriture. Regardez, Charlie Chaplin nous dit, vous aviez raison, une journée sans rire est une journée perdue. Et peut-être que c'est vrai. Regardons, deuxième citation. Deuxième citation, c'est une citation de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot nous dit... Les animaux, eux, ont une pureté que l'être humain avec une majuscule, a définitivement, pip, imaginé le mot. Thank you.
Alors je regarde, je vois que Cosmina nous dit perdu, Vouslat perdu, pour l'instant tout le monde nous dit perdu. Et je dois dire encore une fois, regardez. Et nous devons dire bravo à Cherylyn. Alors, pas pour son anniversaire, mais ça, c'est déjà important. L'anniversaire, c'est important. Mais c'est surtout pour le fait que Cherylyn a effectivement remarqué que grammaticalement, eh bien, on doit marquer le féminin. On doit marquer le féminin, c'est la petite touche grammaticale. Pourquoi ? Ici, le verbe est au passé composé. D'accord. Le verbe est au passé composé avec avoir. D'accord. Mais le complément d'objet direct, une pureté, est avant l'auxiliaire avoir. Et la règle grammaticale est stricte, mesdames et messieurs. Si le complément d'objet direct est avant l'auxiliaire « avoir », vous allez marquer à la fin du participe passé le féminin si c'est féminin, le pluriel si c'est pluriel, le féminin pluriel si c'est féminin pluriel. Donc, souvenez-vous, si le complément d'objet direct est avant, vous marquez le féminin, le pluriel, le féminin pluriel en fonction du complément d'objet direct. Et donc effectivement, l'expression, la citation, c'était « Les animaux, eux, ont une pureté que l'homme a définitivement perdue. » Allez, on va regarder numéro 3. Numéro 3, regardez. Dans, alors c'est Napoléon, hein. Napoléon Bonaparte, souvenez-vous, hein, qui était comme ça. « Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens. » Ceux qui les font et ceux qui en pipe. Imaginez le mot. Alors je regarde, Julia est la première et qui dit « parle ». C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Roman est d'accord, parce que Roman dit « parle » aussi. Idéalement, il faudrait mettre le verbe au pluriel. Ce serait pas mal. Cherylyn qui dit « profite ». Cosmina qui dit « meurt ». Ah, c'est un petit peu triste. Hein. Aujourd'hui, Cosmina a... des lunettes de tristesse, peut-être, je ne sais pas. Sonic parle, Mélissa profite, Georges profite, Yossi profite, Almour rêve, Vouslat subissent. Et ça, c'est très bien. On est d'accord que l'idée, hein, bien sûr, c'est trouver, mais c'est aussi jouer effectivement avec les verbes, les conjugués, etc. C'est très bien pour le moment. Alors ici, regardez, Teddy vont, c'est un petit peu bizarre, le verbe aller, je ne sais pas, ceux qui en vont, ce serait un peu étrange, Teddy, je ne suis pas sûr que je comprends ce que vous voulez dire. Regardez, et en fait, c'était le verbe profiter. La citation donc de Napoléon concernant les révolutions. Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens. Ceux qui les font et ceux qui en profitent. Allez. Très bien, excusez-moi, le téléphone sonnait, je ne sais pas pourquoi. C'est la quatrième citation. Et cette citation est une citation de Sénèque, que vous connaissez peut-être, et qui nous dit « La vie
est une pièce de théâtre. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas le une. Alors, la vie est une... Attendez, je vous mets ça comme ça. Voilà. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien... Pip ! Imaginez la suite. Alors, je regarde et c'est pas mal parce qu'effectivement, alors Télesta qui commence avec perdu. Cosmina détruite. Mais non, qu'est-ce qui se passe, Cosmina? Cosmina est triste aujourd'hui. Je ne sais pas où quelque chose ne va pas bien. Kouloud qui nous dit jouer. Yossi jouer. Yulia jouer aussi. Vouslad vécu. Cheryline jouer. Arch qui nous dit passé. Mélissa qui nous dit longue. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre Mélissa Madrid ici un adjectif. C'est pas mal. Georges qui nous dit jouer. Et Almour qui nous dit mérité. Alors, Amy Gustave nous rejoint. Alors ici, effectivement, eh bien, c'est jouer. Et vous remarquez ici qu'on doit mettre aussi le féminin parce qu'on utilise soit. Ici, effectivement, c'est être. Et donc, on doit marquer le féminin. Allez, on continue avec... C'est la dernière, c'est la cinquième. Cinquième citation pour aujourd'hui. Eh bien, regardons ensemble. Si... Alors, c'est une citation de Socrate. On aime bien Socrate. Il a toujours dit des choses assez intéressantes. On va voir ce qu'il nous dit. Si un âne te donne un coup de pied, ne lui pip pas. Imaginez la suite. Alors, je regarde, c'est Yulia qui commence et qui dit « donne, ne lui donne pas ». Yossi qui nous dit « ne lui rend pas ». Georges qui nous dit « ne lui... » Attention, ce serait « ne le provoque pas ». Parce que le verbe « provoquer » en général va être construit avec un complément d'objet direct. D'accord, Georges? Donc, ne le provoque pas. Donc là, grammaticalement, ça n'est pas possible, Georges, mais c'est pas grave. Cheryline ne lui rend pas. Teddy, ne... Ouais, faites attention, même chose ici, le pardonne pas. Pardonner quelqu'un, complément d'objet direct, pronom, complément d'objet direct, le, ici, le masculin. Monique qui nous dit rend, Kouloud qui nous dit rend, Omar qui nous dit répond, Romain qui nous dit prend, Sonic qui nous dit redonne, ça c'est pas mal, Victoria qui dit rend, Bickert crier, ne lui crie pas dessus. Ça pourrait être intéressant effectivement. Et Cosmina qui nous dit... Alors attention, Cosmina, poignarder quelqu'un ou poignarder un animal direct et donc ne le poignarde pas. Et on n'a pas le droit de poignarder les ânes. C'est pas raisonnable du tout. Le verbe ici, c'était rendre. Ne lui rend pas. Et donc Socrate considère que, eh bien, si quelqu'un de stupide va vous faire quelque chose ou va vous dire quelque chose, eh bien, ne lui rendez pas. Voilà. Il y a une autre expression et qui est le silence est le plus profond des mépris.
Alors s'il vous plaît, vous êtes 70, n'oubliez pas que si tout le monde clique, 71, si tout le monde clique, ça veut dire que nous arriverons à 70 clics. Mon objectif pour aujourd'hui, comme chaque fois, eh bien c'est 100 clics. Je pense que c'est possible, j'espère que c'est possible. Le samedi, c'est toujours un peu plus difficile, mais soyons optimistes. Allez, la chanson du jour, je vous avais mis cette chanson tout au début, donc si vous voulez l'écouter maintenant ou un tout petit peu, eh bien écoutez-la maintenant, mais on va passer assez rapidement. J'aimerais, s'il vous plaît, tout simplement que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette chanson. Écrivez-moi une phrase pour me dire ce que vous avez pensé de cette chanson. Allez-y. Alors, je regarde Yossi qui est le premier qui dit, eh bien, c'est vraiment une très belle chanson. Stardust qui nous dit, la chanson va au but et le sujet a été bien véhiculé dans la chanson. Belle chanson avec un message important. Koloud qui nous dit, c'est ma première leçon. Bonjour, bonjour Koloud, participez. Vous allez voir que c'est assez interactif. Soyez gentils avec tous les autres et les autres seront très gentils avec vous. Amy qui nous dit, c'est un peu relaxant. Victoria Possé qui nous dit, cette chanson, je garde la phrase, que nous vivons vraiment. Oui, hein, surtout, il monte. Hein. Eh oui, elle est plus joyeuse, hein. Elle est plus joyeuse que la chanson d'hier. Vouslat qui nous dit, c'est une belle chanson. Georges qui nous dit, je vais l'écouter plus tard. Omar qui nous dit, peut-être qu'il chante une réalité de ce temps. Eh oui, peut-être. Luciana qui dit, eh bien, c'est une très belle chanson. Almour qui ne l'a pas écoutée. Yulia qui dit, j'ai été étonnée de découvrir la femme qui chante parce que sa voix est trop petite, comme celle d'un enfant. D'accord, très bien. Oui. D'accord. Mais elle n'est pas très grande non plus, hein. Mercurial, pas le type de musique jouée dans le Bronx. Ah bah oui, mais ça dépend. C'est, vous savez, c'est un petit peu... C'est les caricatures, Mercurial. Je ne sais, vous êtes dans le Bronx ou pas? On pourrait demander à Victoria, mais bon, personnellement, j'y suis allé. Et on peut entendre des choses qui sont assez douces aussi. Mary Jane, quelle chanson? Alors, la chanson que je vous ai proposée tout en haut. Aîné qui dit, ils sont tous intelligents. Roman qui nous dit, je n'ai pas encore écouté. Mais je ne sais pas si je préférerais Edward Maya, Anastoma et Horizon Music. Oui, mais c'était pour écouter Roman et commenter la chanson, commenter les paroles, puisque c'est en français. Vous pouvez parler de la mélodie, mais vous pouvez parler du texte. C'est l'idée. L'idée, c'est de travailler sur le texte aussi. Allez, n'oubliez pas de cliquer, s'il vous plaît. Cosmina qui nous dit, j'ai écouté, j'ai lu les paroles, ce n'est pas une caractéristique qui s'applique uniquement aux filles. Non, mais dans la chanson,
Vianney dit que c'est également pour les garçons. À l'époque, les gens restaient ensemble, quoi qu'il soit, à cause de la pauvreté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est peut-être vrai finalement. Allez, à vous la parole et vous finissez la phrase. Je déteste aller à... C'est à vous de continuer et de finir cette phrase, s'il vous plaît. Alors, Nouha Alaoui qui nous dit « Salut !» Bonjour Nouha, participez s'il vous plaît. L'idée, vous voyez la phrase qui est juste à côté. « Je déteste aller à... » Finissez cette phrase s'il vous plaît. Alors, c'est Cosmina qui attaque directement et qui nous dit « Je déteste aller à l'hôpital ». Bickert qui nous dit « Je déteste aller chez le dentiste ». D'accord, vous avez changé un petit peu. Sonic, « Je déteste aller à... » Non, c'est pas possible, Sonic. Ici, l'idée, c'est d'introduire un endroit. Nouha, « Je déteste aller acheter des légumes avec ma mère. » Mais pourquoi, Noura? Qu'est-ce qui se passe avec les légumes et votre maman? Alors, Mbombo, je déteste aller à Paris. Mélissa Madrid, je déteste aller au concert. Très bien. A plus les O-A-U-X. Stardust, je déteste y aller quand c'est plus beau. Alors, d'accord. Très bien. Vous avez changé un petit peu. Luciana Moribé, je déteste aller à la queue du supermarché. C'est vrai que c'est très, très désagréable. Victoria Jacques, je déteste aller au travail parce que je n'ai pas gagné au loto. On sait. On sait que Victoria Jacques, son rêve secret, c'est de gagner au loto. Pas un petit peu d'argent, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, le gros lot. Mercurialman, je déteste aller chez le dentiste parce que j'ai une phobie. Yulia, je déteste aller à la préfecture et tous les endroits municipaux. Victoria Possé, je déteste aller à un nouveau confinement. Ouais. Alors c'est triste, mais je crois qu'il faut rire de ça. C'est la seule possibilité que nous avons maintenant. On parle d'un troisième confinement en France. Je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne, mais ça fait peur. Roman, je déteste aller au nightclub et à l'hôpital. Amy, je déteste aller à l'école, comme mon fils. Nicolas, tous les matins. Tous les matins, c'est de la négociation. De la négociation avec monsieur Nicolas. Yossi, je déteste faire la croisière sur un bateau. Je préfère voyager en voiture, d'accord. Georges qui nous dit « Je déteste aller au centre de test Covid-19 ». Eh oui, dans le nez, 5 secondes, c'est terrible. Bombeville, je déteste aller chez le médecin. Faites attention. Monique, je déteste aller au supermarché. Chériline, je déteste aller chez le médecin, bien que la plupart de mes amis sont médecins. Il faut faire confiance. Chériline, il faut faire confiance. Ayez confiance en vos amis. Vos amis sont vos amis. Hillary, je déteste aller dehors quand il neige. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Il y a de la neige partout. Et déménager avec la neige, c'est pas facile. Omar, je déteste aller au supermarché quand il y a trop de gens. Romain, je déteste aller tôt au travail. Almour, je déteste aller à l'hôpital. J'ai peur de l'injection. Ben oui, moi j'ai pas peur. Hein. Moi, allez-y, hop, hop, partout, allez-y. N'importe où, je veux mon injection, je veux mon vaccin. Yulia, j'ai remarqué que le deuxième confinement est fini et déjà le troisième, bah oui. Vouslat, je déteste aller chez le médecin. C'est très populaire ça, cette phobie. Soyez gentils, cliquez sur like. Si vous venez d'arriver, si vous êtes là, vous n'avez pas cliqué sur like, s'il vous plaît, c'est votre façon de me dire merci. C'est une forme de politesse.
Allez, c'est comme ça qu'on parle. Vous savez que, eh bien, au niveau intermédiaire ou avancé, nous essayons de regarder le français familier. Mathis Fon nous rejoint. Bonjour, bonjour. Vous arrivez pour le français familier. Alors, le français familier ou très familier ? Souvenez-vous, je le répète toujours, n'utilisez pas ces mots ou ces expressions dans toutes les situations. Vous pourriez choquer certaines personnes et vous ne voulez pas choquer les Français. Non, 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 vous ne voulez pas les choquer les Français. Allez, première chose, c'est un substantif et c'est la cabane. Qu'est-ce que c'est la cabane ? Eh bien, regardez, la cabane, c'est la prison. La cabane, c'est la prison. Et oui, et l'expression ou l'exemple que je vous donne, tu as vu ? L'ancien ministre des Transports a été mis en cabane. C'est incroyable. L'ancien ministre des Transports a été mis en prison. C'est incroyable. La cabane veut dire la prison. S'il vous plaît, une phrase avec la cabane. Allez-y. Oh ya ya, Victoria Posse, je suis désolé pour vous. Je croyais que l'Espagne ne voulait pas faire de confinement, mais donc le troisième confinement arrive pour l'Espagne. Est-ce que c'est national ou est-ce que c'est régional ou municipal ? Alors Victoria, bon courage pour le confinement, c'est jamais, jamais simple. Alors, c'est Yossi qui est le premier qui dit « Son ami est en cabane depuis 6 mois ». Très bien écrit, Yossi. Sonic qui nous dit « La cabane est moche et bruyante ». Faites attention, « bruyante », Sonic, vous allez l'écrire. B-R-U-Y-A-N-T-E. D'accord ? Faites attention, c'est un Y. Et donc, c'est très bien pour le féminin. Luciana, il y a beaucoup de politiques qui devront être en cabane. Ah, les personnalités politiques sont rarement très populaires. Georges qui nous dit « J'espère que je ne suis pas destiné pour la cabane ». Personne ne veut aller en cabane. Monique, sans voyager, nous sommes tous en cabane. Almour qui dit « Pour éviter d'aller en cabane, il faut suivre les règles ». Mathis Fon qui nous dit « Les flics ont arrêté le voleur et ils l'ont mis en cabane », très bien écrit. Ice Cubes qui nous rejoint. Bonsoir Ice Cubes, on fait du français familier comme d'habitude. Cosmina qui nous dit « Tout le temps que j'étais en cabane, je me suis tapé seulement des faillots ». Et les faillots, c'est rarement populaire. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est délicieux, mais ça n'est pas très populaire en général. Mercurialman, la cabane c'est bien parce que la nourriture est gratuite. Alors ça n'est pas universel, ça dépend du pays où vous êtes. Hein. Parfois, il faut travailler pour payer sa nourriture. M. Mombo qui nous dit « Pourquoi ne pas aller visiter François à la cabane de l'Indela ?» D'accord. Hillary qui nous dit « La cabane n'est pas le meilleur lieu pour résider. » Amy qui nous dit « J'ai le syndrome de la cabane. » D'accord, ça fait peur. Amy. Omar qui nous dit « L'ancien président des États-Unis devrait aller en cabane. » Pas de politique, s'il vous plaît. Julia, près de Marseille, il y a une île avec une cabane où ils ont mis Monsieur Dantès, Edmond, de son prénom, Edmond Dantès, alias
Le comte de Monte Cristo, c'est vrai. Et c'est le château d'If. Aîné qui nous dit, j'aime pas la cabane, c'est normal. Ensuite, Noura qui nous dit, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de la cabane cette année. Et ensuite, Kayden qui nous dit, qu'est-ce que la cabane? Alors j'ai expliqué, Kayden, pas de problème, ça veut dire la prison. Vous slat, être confiné chez soi est une sorte d'être, ou une sorte de forme de cabane, c'est vrai. Cherylin, Hassan a changé de place avec un mec dans la cabane pour trouver Comet. D'accord ? C'est une série ou qu'est-ce que c'est exactement, Cherylin ? Mélissa Madrid, il y a quelques polices suisses à trouver un homme, ont trouvé un homme très recherché par Europol. Ce qui l'attend est la cabane. Et oui, c'est vrai. Allez, un cacheton, eh bien c'est encore une fois un substantif. C'est un substantif, et qu'est-ce que ça veut dire? Un cacheton, ça veut dire un cachet ou un médicament. Quelque chose que vous allez prendre, eh bien pour vous soigner. Un cachet ou un médicament, c'est un cacheton. Allez, un exemple, j'ai mal à la tête, t'aurais pas des cachetons à me passer? J'ai mal à la tête, est-ce que tu aurais des médicaments, des cachets à me donner, parce que je veux me soigner. Allez, on y va. Écrivez une phrase avec un cacheton, s'il vous plaît. Alors je regarde, et Julia qui dit « je ne suis pas une personne avec un cacheton ». Elle dit comme ça, Julia, « non, pas de cacheton pour moi ». Georges, je veux un nouveau cacheton. Bickert qui dit, je déteste prendre un cacheton quand je suis malade. Mathis Fon, j'ai pris un cacheton ce matin car j'avais mal au bide. Très bien. Très bien, Mathis Fon, hein, vous avez bien utilisé les deux. Le bide, c'est le ventre. J'ai pris un cacheton parce que j'avais mal au bide. Victoria Possé, ne pas prendre de cacheton s'ils ne sont pas vraiment nécessaires. Ben oui, c'est vrai. Et surtout pas les antibiotiques. Hein. Mary Jane, tout le monde a aimé sa nouvelle cabane. Ah d'accord. Mary Jane, elle est toujours sur la cabane. Rafraîchissez, Mary Jane. Nous ne sommes pas synchronisés. Monique, je n'aime pas prendre de cachetons. Luciana Moribé, malheureusement, il y a des cachetons qui font politiser pendant cette pandémie. Ah, d'accord. Hillary qui nous dit, ce cacheton me fait pire. Oui, c'est-à-dire, vous voulez dire qu'il vous rend... oui. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ce cacheton me rend plus malade, peut-être. Ça fait un petit peu bizarre. Il faudrait restructurer. Noura, quand j'étais malade ou quand j'avais mal au dos, j'ai pris un cacheton pour me calmer. Mélissa Madrid, on dit chez moi que pour les vieux, les cachetons sont comme des viennoiseries. Mélissa Madrid, elle est formidable, cette expression. Les cachetons sont comme des viennoiseries pour les vieux. Ça, c'est pas mal. Cosmina Bellou, je veux que tu me donnes des artiches pour m'acheter des cachetons. Yossi, j'ai mal à la tête. As-tu un cacheton pour moi? Très bien. Vouslat, je n'aime pas prendre des cachetons quand j'ai mal. Ah, quand j'ai des maux de tête. Attention. Amy Gustave, je suis malade, mais malheureusement, je n'ai plus de cachetons ou... il ne me reste plus de cachetons. Très bien, Julia qui dit, je vous rejoins avec du vin blanc et de la raclette. Raclette, si vous pouvez en manger, allez-y. Avec du peut-être une sorte de fromage, fromage et puis du jambon.
Quel type de jambon? Je ne sais pas, ça dépend, c'est discutable. Et Mombo, avez-vous pris vos cachetons? Nouha qui nous dit, ne prends pas de cachetons sans ordonnance. Ice Cube, ma mère demande à mon père presque toujours avant de partir pour les vacances les mêmes questions. As-tu pris ton cacheton et as-tu pris tes lunettes? Ah, ben oui, mais c'est quelqu'un qui se préoccupe pour le bien-être de votre papa. C'est important. Almour qui nous dit il devrait mieux réduire les cachetons pour améliorer l'immunité du corps. Aîné qui nous dit, j'ai donné un cacheton à mon petit-fils. Oui. Stardust, je ne peux pas suivre maintenant. Le cacheton me donne le vertige. Oui, ça peut arriver. Cheryline fait confiance au vaccin Pfizer. Ils font aussi le cacheton bleu. Oh! Je ne savais pas. Mais le cacheton bleu, c'est quoi? C'est ce qu'on imagine que ça peut être? Ah, je ne connais pas les codes. Je ne connais pas les mots. Qu'est-ce que c'est, Cheryline, le cacheton bleu? Qu'est-ce que c'est? Omar, c'est très important de prendre un cacheton seulement quand le médecin lui a donné une prescription, c'est vrai. Yulia qui nous dit, jambon pour vous et raclette pour moi. Eh bien, écoutez, tant mieux. Allez, Désiré nous rejoint et nous découvrons ensemble, eh bien, un substantif, c'est un mot, et le mot c'est kéké, un kéké. Alors ça, si mon ami Laurent était avec nous, mais il n'est pas là, Laurent est en Laponie, mais il aime bien cette expression, il aime bien dire un kéké. Qu'est-ce que c'est qu'un kéké? C'est une personne présomptueuse qui est considérée comme ridicule ou stupide. Vous voyez une personne, vous considérez que cette personne est présomptueuse, mais vous considérez qu'elle est totalement ridicule ou stupide, vous appelez cette personne kéké. C'est un kéké. Regardons un exemple. Lui, c'est vraiment un gros kéké. Il n'arrête pas de raconter des salades. Lui, c'est vraiment quelqu'un de totalement stupide, totalement ridicule. Il n'arrête pas de mentir. Un kéké, c'est ça. S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec un kéké. Alors, Desarlika nous rejoint. Bonjour, bonsoir. N'oubliez pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Je crois que ça va être difficile aujourd'hui d'arriver à 100 likes. J'ai l'impression que le samedi, les gens participent moins. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Bickert qui nous dit « Son amour agit comme un kéké ». Victoria Possé, hier, j'ai vu le film Huguette, et ils ont parlé avec beaucoup de mots de français familier que nous avons appris avec vous. Ah ben c'est ça, Victoria. On fait de la grammaire, on fait des choses sérieuses, et on fait aussi, eh bien, ces expressions-là qui sont intéressantes. Ensuite, je regarde. Aîné qui nous dit, mon petit ami est un kéké. Alors ça, c'est votre responsabilité, ça n'est pas la mienne. Victoria Possé qui... Ah bah d'accord, ça c'était clair, excusez-moi. Georges qui nous dit, c'est difficile d'éviter les politiques pour cette question. Oui, je sais. C'est juste pour éviter les problèmes. Politique et religion, c'est toujours, toujours compliqué. On met ça à côté si vous voulez. Yossi, peux-tu arrêter de faire le kéké au moins aujourd'hui? Eh bien oui. Luciana qui nous dit, elle est une kéké. Alors oui,
En général, c'est plutôt masculin. On est moins dur avec les femmes, je crois. Ice Cubes, es-tu un kéké? Tu devrais choisir le cacheton bleu et pas le cacheton rouge. Eh oui, mais le cacheton bleu, c'est toujours un mystère. Sherilyn n'a pas expliqué le cacheton bleu, donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment ce que j'imagine? Parce que, en général, quand on parle de ce cacheton bleu, on parle de quelque chose, peut-être. Mathis Fun, j'ai vu un gros kéké ce soir qui drague les meufs dans la rue. Yesero, le directeur, a agi comme un kéké quand il a hurlé sur son collaborateur. Omar, je n'aime pas les kékés, ils sont toxiques. C'est vrai, Omar, vous avez raison. Almour, être un kéké est un comportement négatif qui nuit, avec un T, aux relations. Stardust, quand je joue, je rencontre beaucoup de gens qui sont des kékés. Non seulement kékés, mais aussi gaga. Victoria Possé, j'ai arrêté de lui parler parce qu'il était un kéké. Vouslat, n'écoute pas ce kéké, il raconte n'importe quoi. Mélissa Madrid, tout le monde croit qu'il est un kéké, mais il atteint le syndrome... Ah, il est atteint du syndrome d'Asperger. MNM19, mon patron est un kéké et un véritable snoop. On y va doucement avec les... votre patron et peut-être quelqu'un d'intéressant, je ne sais pas. Sonic, moi, je suis un kéké, quelquefois. Sonic est honnête et je dis bravo Sonic, c'est très bien. Julia, Laurent est un kéké parce que Vincent bouge des meubles tout seul avec... Eh oui, non, il y avait d'autres amis. Cosmina, je suis convaincu qu'il n'y a pas de gens kékés. Juste des gens qui ont besoin d'être aimés ou être mis en valeur. Oh, Cosmina, elle a mis les lunettes de la positivité. Luciana qui nous dit, est-ce qu'on utilise kéké même pour le féminin? Non, en général, Luciana, les kékés, c'est plutôt pour le masculin. C'est un kéké, un homme qui est stupide. M. Mombo, nous sommes tous des gros kékés. Avec un S. Nouha, parfois je suis un kéké avec des personnes. Eh oui, peut-être qu'on est tous des kékés. Harvey, bonjour, bonjour. Allez, si on continue. Alors, Sherilyn, seuls des kékés s'injectent du désinfectant. Ah, ça fait référence. Ou alors peut-être boire du désinfectant, c'est le même genre. C'est les kékés, effectivement. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Je ne pense pas que nous allons arriver au 100, mais tout est possible. Tout est possible. S'il vous plaît, cliquez si vous venez juste d'arriver. C'est possible, on y va. Allez, la question du jour, et je pensais que ce chien, le regard de ce chien était tellement interrogatif que c'était une bonne illustration pour la question. Et la question, c'est tout simplement, c'est pas vraiment une question, mais je voudrais savoir, aujourd'hui, je dois absolument, eh bien, continuer cette phrase. Qu'est-ce que vous devez aujourd'hui absolument faire? Allez-y. Allez, c'est Mathis Fun qui commence et qui nous dit aujourd'hui, je dois absolument terminer le module d'analyse. Alors là, Mathis Fun, il y a une dimension très très mystérieuse dans ce que vous écrivez, puisque tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est un module d'analyse ? Je ne sais pas, je suis curieux, Mathis Fun. Mais c'est important de le terminer, donc vous allez le terminer, s'il vous plaît. Victoria qui répond à Yossi. Julia qui dit, je dois absolument bien dormir. Julia, il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la lumière
Rouge. C'est une entreprise qui est française, qui est basée à Lyon et qui propose des lumières rouges pour bien dormir. J'en ai acheté une à ma maman pour que ma maman dorme bien. Et donc, je vais demander si ça marche. Ice Cubes, aujourd'hui, je dois absolument ne rien faire. C'est le week-end et c'est vrai, Ice Cubes. Tranquille, relax, profitez de la vie. Beaker, je dois absolument me calmer pour ma famille. Et ça, c'est vrai. Luciana, aujourd'hui, je dois absolument étudier le français. Yesero, aujourd'hui, je dois absolument lire un chapitre de mon livre. Stardust, aujourd'hui, je dois absolument dormir, dormir et dormir. Vouslat, aujourd'hui, je dois absolument aller dehors. Victoria Jacques nous dit, aujourd'hui, je dois absolument nettoyer, faire le ménage. Alors, c'est important, mais en général, on n'aime pas faire le ménage. C'est vrai, moi, j'ai commencé aujourd'hui aussi. Et puis après, je suis allé aider mon ami Frédéric à déménager, porter des meubles. Omar, aujourd'hui, je dois absolument faire du sport. Le plus important, la plus importante chose du week-end, peut-être. Hillary, aujourd'hui, je dois absolument faire la lessive. Ah ben oui, on doit le faire, on doit faire la vessie, la lessive. Monique, aujourd'hui, je dois absolument aller dormir. Amy Gustave, aujourd'hui, je dois absolument faire le devoir pour le B1. Bon courage, je pense que ça ira bien. Olga, aujourd'hui, je dois absolument marcher. Bourmville Lover, aujourd'hui, je dois absolument travailler. Aîné, aujourd'hui, je dois absolument apprendre, infinitif, le français. Sonic, finir mon projet crochet. Vous savez faire du crochet? Ou peut-être un petit tricot, Sonic. Sonic aime le tricot et le crochet, et ça, c'est bien parce que vous pouvez faire des écharpes ou des nappes, des petites nappes pour vos tables. Mathis Fon, le module d'analyse, eh bien c'est des maths. George qui nous dit « Aujourd'hui, je dois absolument faire une visite chez Costco. » Eh bien, bon courage. Et avec le masque. George Desarlica, cliquez sur le bouton « Merci ». Cosmina, aujourd'hui, je dois absolument sauter la clôture pour arriver dans la cour de ma voisine. C'est le chien qui parle. Oui, d'accord. Et manger quelque chose. Yossi, je dois préparer quelques documents pour le bureau des impôts. Super, Yossi. Mary Jane, c'est... Ah, Mary Jane, elle est toujours sur le kéké. Cherilyn, aujourd'hui, je dois absolument créer un plan pour réaliser mes résolutions du nouvel an. Oh, Cherilyn, prépare maintenant une stratégie pour... probablement mettre certaines choses en première position et d'autres en deuxième, troisième, etc. Mélissa Madrid, je dois absolument me donner un bon bain. Alors ça, un bon bain avec une musique relaxante, tranquillement, c'est formidable. Victoria Possé, aujourd'hui, je dois absolument avoir la tête forte. Et oui, Désiré, je dois absolument terminer la correction des copies de mes élèves. Bon courage. MNM19, aujourd'hui, je dois absolument arranger le garage. Aujourd'hui, je dois absolument donner un like. Merci pour mon prof Vincent, ça me ferait très, 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 très plaisir. Almour, aujourd'hui, je dois absolument pratiquer beaucoup mon français, car pendant ces jours de travail, les autres tâches inévitables. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, petit à petit, nous nous rapprochons des 100 likes. Nous nous en rapprochons. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « like ». Merci. Alors, j'espère que nous n'aurons pas le même problème qu'hier. Souvenez-vous, hier, c'est quand nous avons commencé l'exercice des nombres que tout s'est arrêté.
Donc j'espère que ça n'est pas une malédiction et on y va. L'exercice des nombres, vous le savez, je vais vous dicter, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur de cliquer, je regarde. Je vais vous dicter des nombres. Le premier nombre aura 3 chiffres. Je vais vous le dicter 2 fois. Et bien sûr, vous allez l'écrire et j'espère que ça va marcher. 542. 542. 542. Alors, Cheryline, pour vous, c'est probablement une explication très claire. Le cacheton bleu, le citrate de sildénafil. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Léoul Kéros qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. 542. Pour l'instant, tout est clair. Attention, attention. Aîné. Regardez. Et là, vraiment, j'ai peur. Hein. J'espère que ça va marcher. Sinon, c'est la malédiction. 542, 5, 4 et 2. La plupart d'entre vous, eh bien, vous avez trouvé. Je vous dis bravo, c'est très bien. Attention, le deuxième. Et le deuxième, comme vous voulez, comme vous voyez, il y aura 4 chiffres. 4 chiffres, je vais vous les lire. Encore une fois, je tremble. 3002. 3002. Alors, Georges, qui... on continue. On continue dans notre pilule bleue. Maintenant, donc c'était ce que j'imaginais. Donc, le cacheton bleu, c'est... Alors, attendez, donc c'est le Viagra que l'on appelle sildénafil. Citrate. Citrate de sildénafil. Très bien. Alors, merci beaucoup pour m'avoir apporté ces informations incroyables. Incroyables. On apprend des choses tous les jours. Merci. Alors, regardons ensemble. Oui, 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 tout va bien, effectivement. Pas de problème. Je dis bravo. Donc, c'était 3002. Hein, celui-là, il n'était pas très, très difficile. C'était, j'imagine, assez facile pour vous. 5 chiffres maintenant. Allez, vous le savez. Hop là. Je vais le dire 2 fois. Hein. 73613. 73613. Allez-y. Alors, je regarde, effectivement, c'était un petit peu difficile peut-être pour certaines personnes. Alors, faites attention, vous, Slat, vous étiez un tout petit peu trop généreux. Regardez, c'était 613. Alors, vous avez écrit 673 et vous, Slat, c'est très, 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 très proche. D'accord ? Donc, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ici, c'était 613. 13, d'accord. Julia qui dit « Nous sommes cool quand même ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais bien sûr que vous êtes cool. Je vous adore tous, mais soyons objectifs. Je vous adorerais plus si j'avais mes 100 likes. Eh bien oui, c'est comme ça. La cruauté du professeur qui veut ses 100 likes, s'il vous plaît. Allez, on continue. Donc là, on a 6 chiffres. Donc ça va être peut-être un petit...
petit peu plus difficile. Et on y va. 397 731. 397 731. Allez-y. Alors Cosmina, elle était la première, mais malheureusement Cosmina, vous étiez un peu trop rapide et pas suffisamment généreuse, je dois dire, puisque vous ne nous avez pas donné les 7000 qui manquent. Regardez, c'était 397 731. Ice Cubes, pas assez généreuse, puisque Ice Cubes nous donne 387. C'est proche, mais souvenez-vous, j'avais dit 397. Almour, pas encore assez généreux, puisque c'est 396. J'ai dit 397. Je regarde les autres. Attention, Yulia. Alors, Yulia, c'était un petit peu en roue libre, comme on dit. Ça n'était pas 396 301. Comme vous avez écrit, mais 397 731. Voilà, je regarde les autres. Les autres, ben écoutez, ça a l'air d'être à peu près correct. Bigert qui dit « Oups !» Je suis bloqué. Ça n'est pas grave, Bigert. Je l'ai lu assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Et puis on va continuer de toute façon. Nous allons faire ces exercices-là. Et bien régulièrement, comme nous l'avons fait avant. Attention, ça c'est le petit bonus. C'est le petit bonus parce que j'espère que Yossi sera content. Yossi en avait demandé 6, et bien regardez, maintenant Yossi vous en avez 7. 7 chiffres, j'espère que vous êtes prêts. Ce sera le dernier, on est d'accord. 9 189 047. 9 189 047. Allez-y. Alors, je vois que ça commence à arriver, mais je sens quand même que l'enthousiasme n'est pas aussi grand. Oui, c'est un petit peu plus difficile, c'est normal. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ne vous inquiétez pas si vous avez fait une petite erreur. Alors ici, 9 millions. Je fais des espaces pour que visuellement, ce soit plus clair pour vous. Donc 9 189 047. Hein, je ne prononce pas le 047, je prononce juste 47. 9 189 047. Voilà, aîné qui dit... Oh là là! Oui, oui, mais c'est pas grave parce que maintenant nous changeons d'exercice. Alors, quand vous voyez une belle image comme ça, c'est le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est un endroit formidable et c'est un endroit qui devrait, si vous ne l'avez pas encore visité, ou même si vous l'avez visité, que vous arrivez maintenant, que vous n'avez pas cliqué sur le petit bouton like, s'il vous plaît, faites-le, pas pour moi, pour la beauté du Mont Saint-Michel.
Allez, la photo du jour. Et la photo du jour, eh bien, la voici. S'il vous plaît, une petite phrase pour me faire une petite description de cette photo. Alors, Omar qui doit nous quitter. Au revoir, Omar. Omar, rendez-vous lundi. Si vous le souhaitez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, la porte est ouverte, Omar, et nous vous attendons. Alors, Monique nous dit, ils sont très mignons, et c'est vrai. Alors, mignons avec un petit S, Monique. Hein, oui, surtout le tout petit qui dort. Oh, c'est tellement mignon, un enfant qui dort. Mercury Allman qui dit, moi et mon frère. Ensuite, Victoria Possé qui dit, la fille vient d'avoir un frère et elle est très heureuse. Espérons qu'elle ne soit pas jalouse. Georges qui dit, le meilleur cadeau qu'on peut recevoir, c'est vrai. Si vous avez des enfants, regardez vos enfants dormir, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est incroyable la beauté de ces enfants qui dorment. Yesero, j'espère que les cheveux du bébé poussent, sinon il va être jaloux de son frère. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça va arriver probablement. Mélissa, dans la photo, on voit une petite fille qui se régale d'être une grande sœur, c'est chou. C'est vrai que c'est tellement mignon. Ice Cube, ce qu'il dit, ils sont comme mes cousins. Ah, si vous avez des cousins comme ça, profitez Ice Cube. Peut-être pas avec les masques, je ne sais pas. C'est bizarre comme période maintenant. Profitez d'eux. Noura qui dit, je vois une sœur qui est très contente d'avoir un nouveau bébé, c'est-à-dire un nouveau frère. Luciana Moribé, la fraternité est vraiment belle. Et c'est vrai. Bickert qui dit, j'ai connu cette photo et qui est vraiment très mignonne. Le bébé et la fille sont très heureux. Stardust qui nous dit, les yeux brillants du plus grand effet disent tout. C'est une photo si adorable et pleine d'amour. Oui, et pleine d'espoir aussi. On a quand même le sentiment que quelque chose se passe. La naissance de l'amour entre une sœur et son frère. Ou est-ce que c'est une petite fille? Je ne sais pas, on pourrait discuter pour le bébé. Yossi, une fille et un nouveau-né bébé, peut-être sœur ou frère. Aîné qui nous dit la famille est belle. Oui, Hilary qui dit la fille est très contente avec son nouveau frère. Et ça, c'est vrai. Yulia qui dit les yeux ouverts et les yeux fermés. C'est vrai. Et ça, c'est vrai aussi. Cosmina, la seule photo dans laquelle la sœur aînée rit parce qu'elle ne sait pas ce qui va suivre. Ah, c'est le début. L'innocence est une belle chose. Quand on ne sait pas ce qui va se passer après, même si on est jeune ou adulte, c'est probablement le meilleur moment, puisqu'après, automatiquement, eh bien, c'est moins drôle. Bombville Lover, une fille sourit à côté de son nouveau bébé, frère ou sœur. Cassandra qui nous dit la fille est très jolie parce qu'elle est devenue une grande sœur. Almour qui nous dit la petite fille est très contente d'être avec son frère et elle rêve de grandir assez tôt pour être elle-même peut-être. Vous slate la photo d'une petite fille avec un bébé, c'est très joli, c'est vrai. Sonic qui dit, eh bien, qu'il doit crocheter. Il doit crocheter une couverture pour eux, eh oui. Peut-être une petite couverture pour le plus petit et un pyjama. Vous pouvez crocheter un pyjama, Sonic. Allez, et puis un petit coup de...
Un petit coup de tricot, hein, ça fait jamais de mal. Bickert, je dois sortir maintenant. Au revoir Bickert et à bientôt. Alors, nous ne les ferons pas. Simplement, n'oubliez pas de cliquer sur like si vous êtes arrivé, que vous n'avez pas eu encore l'occasion de le faire. Nous allons voir si nous pouvons nous rapprocher des 100, mais ça semble très 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 difficile pour aujourd'hui. Alors je l'ai répété, enfin je le répète puisque je l'ai dit au début, n'oubliez pas que si vous voulez partager un moment important ou tout simplement faire une belle photo et la partager, prenez votre photo avec votre téléphone ou avec un appareil photo, je ne sais pas, envoyez-moi cette photo à l'adresse vosphotos@fluent2plus.com. Et après, vous pouvez écrire un petit commentaire, ce serait très très gentil. Je mettrai ça, bien sûr, dans notre cours. Alors, la dictée du jour, eh bien, quand je regarde l'heure, je pense que nous pourrons faire une seule phrase. Donc, vous avez cette responsabilité énorme de ne pas faire d'erreur, puisqu'il y aura juste une seule phrase pour notre dictée du samedi. J'espère que vous êtes prêts. Souvenez-vous que la dictée, eh bien, je vais lire cette phrase deux fois. Et vous allez écrire la phrase que vous entendez. Il me faudra du temps avant de refaire confiance. Il me faudra du temps avant de refaire confiance. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors Ice Cube, ce qui dit j'ai découvert StreamYard aujourd'hui, peut-être que ce serait bien comme Zoom. D'accord, je vais regarder Ice Cube. D'accord, merci beaucoup, hein, merci de partager. Je regarde et puis je suis toujours en train de me poser des questions pour les cours de Zoom. On avait testé une fois, c'était un petit peu compliqué techniquement, donc Zoom ou YouTube, mais on ne va pas mélanger les choses. Si StreamYard est sympathique, pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? Alors regardons la phrase. La phrase, eh bien, dans la première partie, eh bien, c'est un futur simple. C'est le verbe falloir. Souvenez-vous, il faudra. Mais j'avais envie d'utiliser eh bien, le pronom « me ». Il me faudra. C'est-à-dire que ce sera nécessaire pour moi. Il me faudra. Du temps, oh, ça je regarde, vous l'avez bien écrit. Hein, donc c'est masculin, du. Et puis après temps, T-E-M-P-S. Attention Monique, avec un petit S à la fin. Ce serait plus joli. On ne prononce pas le S, mais... ça doit être là quand même. Avant, normalement, il n'y a pas de problème de refaire. Alors, refaire, effectivement, c'est la répétition de faire, c'est-à-dire le préfixe re et votre verbe faire, refaire et finalement confiance. Il me faudra du temps avant de refaire confiance et Sonic qui nous donne cette phrase et pas de problème. Victoria Possé, il me faudra... ouais, c'était du temps. Victoria Possé, vous n'aviez pas entendu le du temps. Il me faudra du temps avant de refaire confiance. Alors, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir pour cette semaine, puisque demain, vous le savez, c'est dimanche et le déménagement de mon ami Frédéric continue. Il a besoin de moi, puisque comme vous le remarquez, je suis un homme très, très fort.
Donc, j'espère que je ne serai pas mort avec ce déménagement. Je vous quitte en vous proposant de vous promener encore une fois dans les rues de Marseille. Aujourd'hui, c'est encore Marseille. Nous allons dans le Vieux Panier, cet endroit à Marseille que j'adore. Il est formidable ce quartier et cette ville est incroyable. Visitons Marseille ensemble. Merci, au revoir, oups, et à lundi. Au revoir.
Thank you.